Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors faut que je fasse gaffe parce que le micro est quand même là. Elle est très courte, elle est très rapide, je l'aime beaucoup. C'est le dernier élément. Voilà, c'est l'élément manquant du setup. Il vient d'arriver ce matin. Le gros bébé à son papa. Et voilà. C'est le quatrième et le dernier parce que je vois pas bien ce que je ferai d'un écran en plus. Voilà. J'essaye de réduire la luminosité que je prends dans la gueule, donc c'est pas non plus pour rajouter 40 milliards. Alors comment ils me l'ont fixé cette merde? Allez, on ouvre ça. Alors, alimentation, câble à la con. Et voilà. Voilà le bébé. Voilà le bébé. C'est rigoureusement le même, ouais. Ah bah, il n'y a plus qu'à poser. Il n'y a plus qu'à brancher en DisplayPort enfin et à mettre en 144 Hz enfin. Et à pouvoir faire du montage vidéo sans me niquer les yeux. Et voilà le ch'tio bébé en cours de démarrage. L'ordinateur a toujours été un petit peu longué à s'allumer, c'est pas dramatique. On va voir en quoi il s'est mis par défaut. Ouais, il va falloir que je remette en place tous les widgets, puisque passer là aussi en 2650 par 1440, du coup, les widgets, eux, ont gardé en mémoire le 1920 par 1080. Bien à tout. Écran support, impeccable. Voilà, c'est fait. Je suis content. Je vous cache pas que c'est un truc qui est quand même amorcé depuis janvier. Ouais, ça peut être ça. Et qui est terminé fin juillet. Ça y est, j'ai le matos que je voulais pour l'année 2020. Je vois pas quoi d'autre en fait. Là, honnêtement. Honnêtement, si j'avais un vœu à formuler là, alors j'en ai jamais assez, hein, mais encore une meilleure caméra. En fait, je peux pas mettre les images en grand. Typiquement, l'image que vous avez là devant vous, si je la mettais en plein écran, elle serait complètement, tous les couleurs sombres seraient envahies de bruit. Elle gère très mal les ISO, voilà. Dans un bureau qui est pas très éclairé et elle gère très 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 mal, elle fait plein d'artefacts partout qui ne disparaissent que quand l'image est en petit. D'ailleurs pour ça que j'ai dû filmer avec mon Nikon à côté, sauf que le Nikon à côté lui il peut pas prendre la place de la caméra parce que j'ai pas de quoi l'alimenter en continu sur le courant et comme tous les appareils photo il est limité à je crois que c'est 10 minutes de prise de vue, il me semble que c'est ça l'idée, et donc au bout de 10 minutes il se coupe. Une mesure sympathique, formidable, qui est due au fait que
Au-delà de ce temps, c'est plus considéré comme un appareil photo, mais comme une caméra, et c'est taxé comme une caméra, et pour que ça soit taxé comme un appareil photo, il y a cette limite complètement grossière de... Alors, soit c'est la durée, soit c'est le poids du film, je sais plus. Enfin, bref, il y a une limite qui fait que la caméra se coupe, donc je peux pas les utiliser. Je suis obligé de prendre mon caméscope, qui gère pas les ISO de folie, donc... Si un jour j'ai de l'argent qui tombe du ciel, peut-être que je chercherai un caméscope qui gère hyper bien les ISO et qui peut prendre de très belles images dans des endroits relativement sombres. Voilà les cadavres, c'était ma liste de cadeaux pour Noël. Si jamais vous en avez un chez vous qui traîne et que vous n'en avez aucune utilité, je vous en prie, envoyez-me-le. En attendant, je vais pouvoir profiter de tout ça, faire mes petits montages. Ciao les cadavres!